Yo, salut tout le monde, c'est Hypnose. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur GTA V qui pourrait avoir un rapport ou pas avec le mystère. Je fais donc cette vidéo justement pour que vous me donniez votre avis dans l'espace commentaire. Je tiens à préciser aussi que c'est quelque chose qui m'a été informé par Cocos59 qui travaille de son côté sur le mystère. Alors je sais que beaucoup vont dire qu'il n'y a rien d'intéressant dans ce que je vais vous présenter, mais c'est justement pour avoir différents avis que je vous en parle aujourd'hui. Donc, lorsque vous êtes au Mont Chiliade et que vous vous rendez devant la plateforme du Mont Chiliade, lorsque vous regardez devant cette plateforme, vous pouvez observer des dessins ou des écritures un petit peu bizarres. Là, je suis avec la Space Docker et l'éclairage vert, donc ce n'est pas très flagrant. Je vais par la suite vous mettre un filtre avec l'éditeur Rockstar pour que vous voyez un petit peu mieux de quoi je veux vous parler. Donc, je vais vous mettre le filtre maintenant. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a comme un petit personnage avec une tache rouge sur la tête qui, pour Cocost, correspondrait au moment où on voit Franklin avec sa tenue Buckstar dans le braquage de la bijouterie. En dessous de lui, on peut voir comme un K ou un R en fonction de l'éclairage que l'on met ou du filtre que l'on met. Plus bas, on peut distinguer comme un M qui correspondrait à Michael. Et un petit peu plus bas, on pourrait distinguer une espèce de P comme Philippe. Philippe, Trevor, Philippe. Et lorsque vous utilisez d'autres filtres dans l'éditeur Rockstar, vous pouvez voir apparaître plus de choses étranges. Comme vous allez pouvoir le voir à l'écran, je vais vous mettre deux images que j'ai faites avec l'éditeur Rockstar, avec un éclairage de la lune et différents filtres que j'avais essayé, enfin du moins un des filtres que j'ai essayé, et je vous ai mis en surligné tout ce que j'ai pu distinguer à cet endroit en rouge et le petit personnage que j'ai redessiné également en rouge et la lettre K ou la lettre R en jaune. Alors voilà, je sais que c'est peut-être rien et simplement des ombres. Et puis c'est peut-être simplement des ombres qui sont dues aux éclairages ou aux reliefs. Mais j'aimerais avoir votre avis pour savoir ce que vous en pensez. Donc bah voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Au passage, je tenais à vous remercier pour les 100 abonnés. Vous assurez un max, un grand merci à vous. Je vous invite comme d'habitude à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. À liker et partager si vous avez aimé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, bye.